On repart en arrière. Une enfance supplémentaire. Que ben certainement avant ça devait être libre. Attention, attention. Ah, il y a un crocodile. C'est pas nous. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quoi ? Salut à qui ? T'es qui ? Salut à tous. Bon, on repart en arrière. Vous voyez, on est revenu dans Contentus. Mais on repart, vous allez voir, de la Normandie, direction la Picardie. On cherche des phoques, on n'en trouve pas. C'est le résumé, vous allez voir. Et à la fin, en fait, on s'arrête là. Hein, vous allez voir. On aura quand même une, n'est-ce pas ? Ouais. Ah. Il aurait fallu aller au camp, en fait on aurait dû venir au camping direct. Hein. C'est ce que je me suis dit, il y a des conseils, des machins. On serait venu là direct, tranquille. Ah, on saura pour la prochaine fois. C'est ça. Eh, jacuzzi, sauna, on n'est pas bien là. Oh là là. Alors nous, on était au spa, vous avez vu, on était au spa. Et regardez, où est-ce qu'ils sont les papas? Alors, ça va bien ? Ça va, t'as ton copain là ? Ah ouais ? On est reparti, on a repris la route, on quitte la Normandie avec une enfant supplémentaire. Voilà. Et puis, je crois qu'il fallait pas prendre le pont de Normandie parce que c'était payant. Et apparemment cher. En fait, on est joueur. Et oui, c'est bon. C'est dommage de passer à 4. Franchement, on dirait le pont à Casa. Non, il n'est pas à Casa. Non, c'est pas à Casa. Il est côté de. Moulay-Bousselem. Ah, c'est à Moulay-Bousselem. Oui. Pour moi, mettre 5. Voilà, bah, ça y ressemble. 6, 5, 6, 7. 5 ou 6, juste. 12, 24. Ah, un truc comme ça. 26. Voilà. Ouais, attention, attention. Et du coup, c'est censé être payant en fait, ça ? Bah, tu dois payer. J'ai pas compris. Ah. Bon, on arrache la barrière. C'est pas grave. Ah, regarde, tu peux te promener sur la. Sans bord du pont. Hey, t'as vu Alice, tu peux sauter là. Moment de vérité. Oh non. Bon, ça va. Hein. Pour cette heure, je me prends pas la tête. On est arrivé à je sais pas où. Je sais pas comment vous dites en fait ici. Alors je crois que je vais vous le marquer comme ça. Je vais pas me faire gronder parce que je le dis mal. Bon, on est quelque part aux abords de la Manche. Et moi je me pose une question. Se poser une question à Kyoyo, je vais vous montrer. Pour ceux qui sont du coin, alors pas loin il y a Cailleux de quelque chose par là. Bref, quelque part au bord de la Manche. Est-ce que chez vous aussi, il y a quelques années, les dunes, elles n'étaient pas barricadées ? Parce qu'on se faisait la réflexion que chez nous, dans les Landes, il y avait des petits chemins qui passaient dans les dunes, mais globalement, chez nous, par les gens du coin, respectaient ça. Et puis en fait, avec la masse touristique, tout le monde abîmait les dunes, etc. Et ils se sont mis à barricader toutes les dunes. Et du coup, on se posait la question, est-ce que c'est pareil ici ? Est-ce que, il y a quelques années, les gens du coin, vous étiez aussi libres que chez nous de pouvoir profiter du paysage sans que toutes les dunes elles soient bloquées, et voilà, parce que dans les Landes ils l'ont fait notamment pour protéger les dunes, puisqu'en fait si vous n'êtes pas de ces régions là il y a tout un nombre de plantes qui poussent justement au travers des dunes et qui viennent protéger justement ces dunes et faire en sorte qu'elles tiennent en place et qui protègent du coup tout l'autre côté, en fait, c'est la séparation du littoral. Et en fait, les gens ne respectant pas ces coins-là, ils ont dû protéger les dunes. Voilà.
Donc on se posait la question, est-ce qu'ici c'était pareil et est-ce qu'ici vous aviez aussi un accès libre aux dunes et qu'il n'y a plus aujourd'hui. On n'est pas forcément très vieux mais on se souvient de ça et on s'est dit mince, ici aussi c'est tout barricadé alors que ben certainement avant ça devait être libre. Voilà, bon on est sur la plage, Bribri et Palou nous ont vendu des phoques. Ben, y a pas de phoques, c'est une arnaque hein. Vous voyez, ils sont là, c'est la petite brochette. Voilà, alors c'est Huguette et Raymond x2, Bribri et Palou et Claudie et Patrick, là, Tata et l'apprenti. Vous savez, hein, le camion Ben. Ben alors il paraît qu'il y a des phoques, mais en fait, on sait. Voilà, vous voyez. Mais en fait, c'est une arnaque parce qu'il n'y a pas de phoques. Non, pas surtout dans les vidéos. Hein. Ouais. Ah non, ils sont où les phoques, hein? Les phoques. Ah, on a trouvé un blaireau à la place du phoque. Ouais. Ah, tu fais bien le phoque. Ouais, hein. Il fait bien le phoque. Ouais, bah c'est une arnaque, on s'est fait escroquer. Mais non, mais ils sont pas là-bas, les phoques. Bon, alors, faut qu'on aille où? Il y a des blaireaux. Il y a que des blaireaux. Il y a une calèche. Oh, on se croit au bled. Ah, tiens, remonte la mer. Ah non, c'est une calèche. C'est une calèche. Ce qui est sympa là où on est, c'est qu'on a quand même un joli coucher de soleil sur la plage. Et si on se bouge un peu, on le verra presque. On est au Crotois. Du coup, je sais le nom. C'est Bribri qui me l'a dit. Non, mais on vous voit pas. Petit message, Fred, on s'est pas vu. Merci beaucoup pour le foulard. Il est joli comme tout. Je l'adore et je le porte tout le temps. On a retrouvé Ben. Hein, Ben, le camion Ben. Et Bribri et Palou. Palou, président. Alors là, comme vous voyez, ils sont en train de ranger tout leur barda. Ouais, hein, bordel. Parce que bien sûr, ils en ont mis partout. Ils se sont installés de tous les côtés. Ouais. Voilà, ils s'étalent bien. Qui c'est qui a la même louche que... C'est toi ? Pipi qui me l'a donné. Ah ouais, aimé. Bon, en fait, vous copiez tous sur Bernard et Florence. Et ben ouais, mais c'est Bernard qui a donné la petite. Voilà, voilà. Ouais, bon allez, ils rangent, on les attend, il y en a pour 3 heures parce qu'on va aller voir le feu d'artifice. On n'est pas rendu parce qu'on attend l'apprenti et Palou et ils sont pas prêts. Quand je vous dis qu'on va attendre 3 heures, on attend 3 heures. Huguette et Huguette sont sur un parking. Huguette et Huguette. Raymond et Raymond ont été jeter les poubelles. Raymond et Raymond jettent leurs poubelles. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici sur une magnifique aire « Passe-moi le sel ». C'est-à-dire que tu donnes le sel à ton voisin, qui redonne le sel à son voisin, qui se trompe et qui donne le poivre. Oui, mais nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de place. Hein ? Bon, d'abord, tout ça pour aller rejoindre une flopée de dingue. Hein ? Voilà. Et maintenant ? Et bien maintenant, on fait une post-nomaderie chez les dingues. Nous traversons la jungle. De l'autre côté, il y a peut-être des dinosaures. Soyez prudents. Attention. Vite. Il faut avancer. Fais gaffe, t'as un crocodile. Attention. Ah, il y a un crocodile. Il y a la bête. Attention. Attention. Soyez prudents. Oh là là, il y a une fourmi là. C'est des fourmis géantes. Nous allons être attaqués. Attention. Avançons, attention. Attendez, vous savez pas, il y a des indigènes peut-être. On avance, on avance. Nous partons à la chasse aux blaireaux. Et attention, oh, nous arrivons sur la plage. Pas de blaireaux en vue. Pas de phoques. On peut reconnaître à l'endroit que c'est magnifique. Avec le ciel rose et les petits marécages là, c'est vraiment superbe. C'est comment ? C'est tout beau ! Alors, vous allez voir, les enfants, ils ont fait un château en moins de 5 minutes, mais alors exceptionnel. Bien sûr, quand je parle des enfants, je parle donc de Patrick et de Palou. Tadam ! Ils ont bien travaillé quand même, hein, les petits enfants. Sauf que c'était pas toi, j'ai dit les enfants, Patrick et Palou. Bien sûr, c'est pas vrai, hein, on respecte l'œuvre des gens. Je ne sais pas qui a fait ce beau château au Crotois. Crotois.
Voilà. Eh ben, il est très beau. Regarde, ici aussi, il y a une plume. Eh oui. Allez, on continue, on va voir le feu d'artifice. Ouais, on va voir le feu d'artifice. On est posé sur la plage. Et maintenant, on attend le feu d'artifice, le départ. Et en attendant, on regarde les bouées. C'est vrai, en attendant, en fait, on fait de la révision de code. Non, ça va, ça s'oublie pas. Et en fait, on regarde les bouées qu'il y a en face. Et donc, quelles sont les bouées cardinales qui sont là, ou là, le phare et tout ça. Et après, vérification sur l'appli. Et c'était bon. Non, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, ça. On vous expliquera l'intérêt de connaître un petit peu le code. Le code, notamment, les bouées cardinales, c'est un truc... Bah, la bouée cardinale nord, quand elle t'indique qu'il y a un danger et que tu passes pas du bon côté, le mieux c'est de savoir où est-ce qu'il faut passer quand même. C'est plutôt pas mal. C'est un peu comme si tu avais un stop et que tu croyais que ça disait go, vas-y, et que tu t'arrêtes pas et là il y a une voiture. Bah, c'est un petit peu pareil, c'est pas mal de connaître au moins les bouées cardinales. Quoi. Ça va, on voit, il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres. Ah, là-bas ça saute aussi. Il y a des feux d'artifice de tous les côtés. Merde, on s'est planté de côté. Là, on voit, il y en a là en face. Il y en avait un autre. Ah ouais, là, on voit un peu là-bas. Ouais, il était bien gros en face. Hein. Là, on voit un peu. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si on va bien me voir. Ah, peut-être un petit peu là. Ouais, on est loin. On voit un peu quand même. Hein. Attention. On pensait avoir un petit dernier truc après le bouquet final parce que souvent ils font le bouquet final et ils en balancent un ou deux à la fin, mais non. Bon bah du coup on va rentrer. Hein. Voilà, mais c'était très très beau, très sympa. Promenons-nous dans les bois, ah non c'est toujours pas des bois. Promenons-nous dans les dunes pendant que le loup y est pas. C'est Bri-Bri qui tient la lumière, si Palou était là, il ferait quoi? Je sais pas. Il nous dirait que le feu d'artifice n'est pas au trottoir. Allez, on rentre. C'était joli. On a complètement changé d'endroit. Et quand on est arrivé ici, on s'est dit, oh, on se croirait dans les Landes. Il y a des pins et tout, très bien. Bon, par contre, c'est juste pas vraiment le soleil des Landes. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je filme parce que Patrick il m'a dit, ce qui est dommage, c'est que tu filmes pas assez Mimine. Bah Mimine, elle est là. Mimine ! Alors le problème, c'est que ça reste un chat et qu'elle fait ce qu'elle veut. Donc j'ai beau l'appeler, elle en a rien à faire. Mimine ! Oui, toi, être Mimine. Bon, elle est là. Alors ce qui est bien, c'est que comme elle a la fenêtre, elle est complètement à l'abri avec son hamac. Et elle adore être ici, c'est son espace. Elle a vu sur tout et elle surveille tout. Et je vais vous montrer la brochette de vieux à côté. Alors, à côté, nous avons notre petite brochette de vieux. Voilà, avec le café. Et oui, et le chocolat. Attention, ça ne rigole pas. Heureusement qu'il y en a un qui a un au vent. Parce que ceux qui ont un au vent et qui l'ont pas sur leur camion, ça sert à rien. Hein ? C'est de ta faute. Bien sûr, oui. Je vous dis pas le branle-bas de combat dès qu'il y a un rayon de soleil ici. C'est vite, 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 on va se promener. Vite, vite, il y a trois rayons de soleil. Les jolies colonies de vacances. Allez, allez. Allez, allez, les enfants. Allez, on y va. Et ils ont pris leur coupe-vent quand même. Hein. Ils sont prêts à prendre la pluie. Hein. Comme si on prenait une saucée, comme si les coupe-vent, ça allait arrêter la pluie. D'une manière ou d'une autre, on sera trempé. On nous a dit, avance jusqu'au piquet, là-bas, tu verras, il y a des phoques.
Nous allons donc avancer jusqu'au piquet qu'on ne verra pas, logiquement, puisque c'est marée haute. Bien sûr, on n'a pas regardé les heures de marée, sinon c'était pas drôle. Bien que si on avait réfléchi un petit peu, hier c'est l'heure où on avait été à la marée haute, et enfin voilà, bref. Donc on va avancer sur cette jolie plage, et nous allons voir si nous voyons des phoques. C'est une légende urbaine. Une légende urbaine. Après, il y a plein de monde. Après, sur la plage, il y a plein de blaireaux. Pardon. C'est pas nous qui dit ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Il a dit il y a pas de phoque sur la plage, il y a plein de blaireaux. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a pas de phoque en fait, parce qu'il y a plein de monde. Ça, ouais, c'est possible. Peut-être. Faut venir en hiver. Alors peut-être. Déjà qu'en été, il fait pas beau, mais alors en plus, il vient en hiver. Non, voilà. Mais attends, il y a que les gens du nord qui descendent ici. Hein. Les gens du sud, ils restent dans le sud. Hein. Bah non, regarde, on est bien là. Mais... Ceux qui sont du sud et qui viennent là-haut, levez la main. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Non, rigolez quoi. On a perdu Capu et Cal. Cal dans la côte, Capu. Ah, les Capus. Bon allez, on n'a pas vu les phoques, on s'est fait arnaquer. On va rentrer avant de se prendre une saucée. Voilà. T'as vu, on fait des rimes. On a fait... Ah, mais j'ai oublié, s'il pleut en France, c'est notre faute. Hein. Pourquoi? Je sais pas, en ce moment tout est de notre faute, donc c'est de notre faute. Tu vois le truc? Excellent. Et tu vois, j'avais raison. Ouais, t'as raison, ça me casse. Ah ah. Bon allez, on rentre avant de prendre la pluie. On est aujourd'hui le 15 juillet, et d'ici que la vidéo elle sorte, Noah aura 6 ans. 6 ans. Aïe aïe aïe, le 17. 6 ans le 17, badaboum. Hop là, ça c'est fait. Jour numéro 3, opération numéro 3. Maintenant, nous allons à marée basse, voir si éventuellement il y a un petit phoque, même un. Merci à tous ceux qui nous ont dit où voir des phoques. Le fait est qu'aujourd'hui, on avait une rencontre importante, on va dire, pour l'avenir, pour les choses et tout ça. Et... On a loupé l'heure de sortie de l'aire de camping-car. Et donc du coup, on va pas repayer 10 € l'aire et repartir. Voilà. Donc ben tant pis, on est là. Donc ça veut dire qu'on peut pas bouger là où sont a priori les phoques. Mais on désespère pas, on tient bon. Et peut-être qu'il y a des phoques aujourd'hui. On y croit. Voilà, on essaye. Yoyola, un truc à vous dire. Vive l'été. Ouais. Et il fait beau pour un mois de novembre, hein. Bah ouais, hein, il fait pas trop froid. Ouais. Merci, hein, Fred, pour... voilà. C'est très utile au mois de novembre. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce temps? On est chez Picador. Là. Quoi? Là, il y a de la vague. Ouais, vas-y, on va jouer. Là, il y a de la vague. Non, mais vous rigolez ou quoi? Bah, bri-bri. Alors là, moi, je veux voir. Je sais pas si avec le vent, on entend bien. Ah, les bri-bri, passe la rivière. Attention. Allez. Il n'y a pas dans les filles. Alors, je vous annonce que définitivement, c'est pas ici qu'il faut venir pour voir des phoques. Je sais pas si vous m'entendez, avis à tous. Si vous voulez voir des phoques, ne venez pas ici. Merci à vous tous qui nous avez dit où est-ce qu'il fallait qu'on aille. C'est-à-dire ailleurs qu'ici. Voilà, pas ici. Bah, en tout cas, on va essayer de mettre content du salaud. Hein. Alors, on l'a écrit. Et puis, faudra attendre la marée haute. Mais il fait trop froid, on n'attendra pas. Oh oui. Oh là 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 là. Ça a 60 ans. Franchement. Alors. On trimballe les enfants, en fait. On trimballe les enfants de 6 à 60 ans, quoi. C'est un truc de dingue. Regardez ça. 68. De 6 à 68 ans. On trimballe les enfants de 6 à 68 ans. Tous des enfants. Incroyable. Bon, allez, on emmène la colo en vacances, là. On s'est dit que... Bon, demain, c'est l'anniversaire de Noah. Donc, on s'est dit, on va en profiter, on va se faire un resto ce soir. Bien sûr, on a choisi notre moment. Il fait
Voilà, exactement. C'est un temps à avoir envie d'aller flâner sur la plage tellement il fait beau. C'est un temps de phoque, voilà. Bien joué, bien joué. Bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, nous avons un temps absolument fabuleux. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est la vue de drone de Palou. Magnifique, hein? Bah, il fait beau. Alors, on est où ici? Au Babi. Au Lambi. Le Lambi. Ok. On est arrivé ici à 10. Alors, forcément, quand on arrive à 10, il a fallu pousser un peu les meubles. Hop, attention. Hop là. Merci. Ouh, c'est mignon tout ça. Ça, c'est chou ça. Bon, ben voilà, on va regarder tout ce qu'il y a à manger. Noah, il sait déjà qu'il veut du poisson. Hein. Ah. Et puis, c'est le repas d'anniversaire de Noah. Hein, hein, Noah? Noah, Noah, regarde. Anniversaire, santé. Santé. Attention. Fais doucement. Ça va être compliqué avec tout le monde, là. Fais chin-chin de loin. Tu fais comme ça, chin-chin. Hop, et tu peux boire. Et chin-chin avec Alice. Voilà. Moi, c'est l'air d'être des vraies frites. Oui. Attention, voilà les moules. Oh, la jolie brochette. Tadam. Hop, et les garçons, ils attendent leur poisson, là. Alors, tu vas avoir de la raie. Ça, c'est super. Tu as besoin d'aide? Regarde, pose tes couverts. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que bah, dans les menus enfants, c'est nuggets frites et steak haché frites et bordel frites. Et Noah, lui, il mange pas de trucs comme ça en fait. Il voulait du poisson. Et sauf que ils veulent pas le faire en menu enfant. Et on leur a dit, mettez pas une grosse portion, ça sert à rien, ça va être jeté. Et voilà. Donc du coup, c'est bête parce que ça sera jeté. Mais voilà. Enfin bon. Bref, c'est pas grave. En tout cas, Noah, il est content, il va avoir de la raie. Hein? T'es content, Noah? Oui? T'es content de manger de la raie? Allez. Oui, Noah? Tu pars. Oui? Donc, si une raie et voit un requin, là, je t'ai pas bougé. C'est vrai. Alors, je crois que Noah, il se régale avec sa raie. Hein. C'est bon, Noah? Alors là, Noah, il est heureux, là. Oui, mais Rocher, c'est encore c'est ferré. Rocher, une glace au caillou. Mais au Pokémon, il y a la licorne. Ça, c'est bizarre. Après avoir mangé nos petites moules, on a lâché les gourmands devant les glaces. Alors là, même ceux qui n'avaient pas faim, mangeraient bien une glace. Je vais faire quand même une petite vidéo parce que je voudrais remercier chez Joey, chez qui on a mangé en fait les glaces et le dessert, parce que c'était pas en fait le resto était très bon, mais c'était pas du tout humain, et là ils ont été vraiment vraiment super humains. Et ils ont mis la musique et tout pour Noah. Enfin voilà, franchement, c'était vraiment chouette. Et en plus, moi, je suis rentrée, j'ai pu voir les prix et tout pour manger et comment c'est fait. Et bah franchement, ils sont vraiment pas chers du tout. Voilà. Donc honnêtement, si vous venez ici à Kent, et ben franchement, je vous conseille d'aller manger chez Joey ou même de manger une petite glace. Et vous allez voir, franchement, c'est vraiment super. Je vous conseille de venir ici. Voilà, c'était bon les glaces. Ouais. Super. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Et voilà. Fin de cette vidéo. Oui, il n'y a pas de bateau dedans. Oui, en effet, parce que on n'a pas filmé. En fait, quand on est arrivé, on n'a pas filmé. Ah ben. On n'a pas filmé la route parce qu'en même temps, on a fait genre 6 heures de route et il n'y avait rien à filmer. On a fait les magasins, c'était pas intéressant, donc on n'a pas filmé. Et puis on est rentré au bateau. Puis alors là, ça a été le branle-bas de combat.
Donc dans la prochaine vidéo, promis, dimanche, vous aurez des vidéos du bateau. Vous verrez, voilà. Mon cul. Non, toujours pas. Bon allez, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.